We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Pour cette introduction. Encore une fois, bienvenue à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants qui sont avec nous. Certains sont ici physiquement, d'autres sont en ligne. Je n'ai pas accès personnellement à Zoom, mais je sais que mes collègues ont accès à Zoom. Donc je leur demanderai de bien vouloir vous connecter avec nous et rester connectés, ceux qui le sont. C'est un forum ouvert, Forum des Nations Unies, IGF 2021. Je pense que c'est le moment, l'heure est historique. C'est la première fois, à ce que je sache, que nous organisons ce type de forum ouvert, auquel participent des spécialistes, des agents des Nations Unies, afin de discuter de la gouvernance Internet et de certains des aspects les plus primordiaux de la coopération et des efforts communs placés dans la gouvernance Internet. Il ne faut pas oublier que la gouvernance de la toile, c'est quelque chose qui ne peut être cantonné à un secteur, à une agence, à une sphère. En effet, Internet nous concerne et nous affecte sous tous les aspects, économiques, sociaux, politiques, pratiques. Donc il faut travailler à tous les niveaux afin que la gouvernance Internet soit satisfaisante. Nous commençons avec un léger retard, c'est pourquoi je voudrais, sans plus attendre, donner la parole au secrétaire général adjoint d'UNDESA. C'est le bureau aux affaires socio-économiques. Monsieur Liu Zhenmin, s'il vous plaît. Secrétaire général adjoint, vous qui comprenez très bien l'importance de l'IGF. Merci beaucoup, Henriette. Je suis très heureux d'être ici avec vous, chers collègues. C'est un plaisir, mais c'est aussi un honneur pour moi d'être ici. Je voudrais commencer par remercier Henriette. Pourquoi ? Parce que Henriette, ces deux dernières années, a été aux commandes de notre groupe de conseil. Ces deux dernières années, Henriette et son équipe du MAG ont apporté de grands efforts, ont réalisé de grands efforts pour que soit organisée cette IGF. Et je voudrais aussi remercier tous mes collègues des Nations Unies. Merci à tous, chers collègues, pour votre soutien. Merci d'avoir co-organisé le sommet numérique de l'année dernière. Cette année, la situation s'est un peu améliorée, la situation satinaire s'est un peu améliorée, grâce à quoi nous avons organisé ce sommet sur un format hybride, ici à Katowice. Nous sommes dans le sud de la Pologne, je vous le rappelle. Dans le cadre de ce sommet, nous soulignerons à chaque instant notre soutien. Nous soulignerons aussi le fait que l'IGF des Nations Unies est un événement multilatéral et que par conséquent, chers collègues, l'Organisation des Nations Unies s'engage de plus en plus dans des activités liées à la gestion d'Internet, à la gouvernance Internet. Nous partageons nos compétences, notre savoir avec beaucoup de parties prenantes et faisons de notre mieux pour écouter aussi, pour nous mettre à l'écoute des autres parties prenantes. La coopération est une bonne chose, je pense, pour la communauté Internet. Beaucoup de mesures prises
par l'ONU sont soutenus par les gouvernements nationaux, ce qui apporte beaucoup de crédibilité. Nous nous efforçons aussi de mettre en application des normes internationales. Nous essayons de faire en sorte que l'accès à Internet soit amélioré un peu partout dans le monde. Nous attaquons aussi au sujet de la cybersécurité, c'est très important. Il est très important de continuer à avoir des retours de la part de la société civile, mais aussi de la part du monde de la technique et de nos partenaires. Car si tel ne devait pas être le cas, eh bien malheureusement, nos activités ne prendraient pas en considération l'apport de toutes les parties prenantes. Nous essayons de lutter contre l'exclusion numérique. Nous essayons d'améliorer l'accès aux services numériques. Et nous essayons de garantir aussi un accès à de meilleures possibilités d'emploi. Souvenons-nous que ces initiatives doivent être collectives. Et elles peuvent être collectives grâce à Internet, grâce à la technique, grâce aux techniques et aux technologies numériques, grâce auxquelles aujourd'hui, par exemple, nous pouvons organiser une conférence hybride. C'est grâce à Internet. C'est un des nombreux services numériques qui facilitent notre coopération. La réponse numérique... vous savez, pendant le Covid-19, on a vu quelle était la valeur des techniques numériques. Les techniques numériques, malheureusement, ne sont pas accessibles à tous. Et c'est une des leçons les plus douloureuses que nous aurons retenues de cette pandémie de Covid-19. Hélas, nous voyons quelles sont les conséquences de cette situation. Quand on voit ce qui se passe quand par exemple, l'école se fait en ligne et qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'ordinateur à la maison ou n'ont pas Internet, on voit ce que c'est que l'inégalité en matière d'accès à Internet. Et puis on voit quel est l'impact négatif de l'isolement et des confinements, bien sûr, sur le tissu social. La grande famille que sont les Nations Unies veut faire partie de ce grand mouvement allant vers plus de sécurité et plus de liberté sur Internet. Le secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, a très clairement dit qu'il fallait nous adapter au changement, qu'on avait besoin de réformes. L'IGF est une excellente plateforme, en fait, pour échanger des expériences, échanger des opinions au sein de cet écosystème commun qu'est le monde d'Internet. Nous allons mettre au point des politiques en matière de numérisation commune. C'est pourquoi, chers collègues, je voudrais vous inciter maintenant à parler ouvertement de la manière dont on pourrait faire en sorte que Internet, la toile, soit un environnement plus hospitalier pour les gens du monde entier. La transformation numérique, c'est ça avant tout. La transformation numérique, elle peut nous permettre d'atteindre nos objectifs de développement durable. Merci beaucoup et je vous souhaite des débats fructueux lors de cette édition de l'IGF. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre des représentants de différentes agences des Nations Unies. Certains sont ici, physiquement à Katowice. D'autres sont connectés en ligne. Je vous demanderai de respecter le temps qui vous est imparti de manière à ce que tous puissent prendre la parole. Nous voulons que ce débat soit multilatéral, puisqu'on parle de processus multilatéraux. Faisons en sorte que le débat déjà soit multilatéral. On est en train de se demander de quelle manière le programme des Nations Unies et les organisateurs de l'IGF pourraient se pencher ensemble sur divers aspects de la transformation numérique. Je voudrais dès maintenant présenter la première participante. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom d'ailleurs. Michelle Konins, vous êtes directrice de l'Agence des Nations Unies aux affaires de lutte contre le terrorisme. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de l'IGF pour avoir organisé, et si bien organisé d'ailleurs, cet événement qui nous donne l'occasion de discuter de sujets aussi intéressants que brûlants. Comme nous le savons tous, les techniques numériques causent des changements spectaculaires que nous vivons au jour le jour, et il nous faut contrecarrer certains phénomènes négatifs comme les abus en ligne, comme les activités des extrémistes, comme les discours de haine, la diffusion de discours de haine. Souvenons-nous d'une chose, c'est que les techniques numériques ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Comme tout outil, ce sont des choses qui peuvent améliorer notre vie, notre quotidien, mais ce sont aussi des outils dont peuvent se servir les terroristes et autres criminels. Nous, par conséquent, devons être vigilants, puisque nous on ne se bat pas contre les criminels de droit commun, nous on se bat contre les terroristes. Nous essayons d'aider les États membres des Nations Unies à agir contre l'utilisation d'Internet par les terroristes, puisque les terroristes, en fait, utilisent la technique comme tout le monde. Il y a 20 ans, on a remarqué l'importance des nouvelles technologies. On a remarqué à quel point le danger que représentait l'utilisation d'Internet par les terroristes, d'où la résolution 1373. Il y a eu 13 autres résolutions qui ont été adoptées par la suite sur le même sujet. Pour ce qui est de ces résolutions, je dois dire qu'elles réglementent des choses absolument essentielles, comme la coopération internationale en matière de collecte de preuves numériques, la coopération autour de l'accès à tel ou tel contenu, les activités, le contre-terrorisme, le contre-terrorisme en ligne, la collecte de données biométriques et biographiques de manière à protéger les infrastructures critiques pour assurer la cybersécurité, ainsi que dans d'autres sphères. Ce sont des actions très importantes qui assurent le fonctionnement d'Internet conformément à la loi et protègent aussi les droits de l'homme. Par exemple, nous assurons le contrôle des données personnelles, nous veillons au respect des droits de l'homme et nous veillons à ce que les algorithmes utilisés d'intelligence artificielle soient conformes à la réglementation et qu'on n'enfreigne pas les intérêts des individus. Nous disons les tendances pendant l'utilisation des technologies d'information. On peut dire que j'ai fait une revue rapide de ce dont nous occupons en ce qui concerne les technologies informatiques. Et souvenons-nous que nous avons toujours affaire à des criminels qui abusent de l'Internet à des fins négatives, criminelles. Donc nous devons être très prudents et prendre les actions nécessaires pour prévenir ce type de phénomène. Je pense que tous les pays membres doivent travailler avec les autres partenaires, avec les membres des réseaux d'études, l'UNI et d'autres acteurs. Merci beaucoup pour cette voix dans la discussion. Nous espérons que nous pourrons parler de cela encore plus en détail dans le futur, puisque c'est quelque chose qui est lié avec les discussions qui sont menées dans les autres sessions de l'IGF. Alors maintenant, je vais donner la parole à M. Tafik Djelassi, qui est le vice-directeur général pour la communication et l'information de l'UNESCO. L'UNESCO a une place très importante dans l'histoire des sommets IGF, car ils jouent un rôle important comme une des agences importantes impliquées dans l'organisation du sommet, de la société de l'information, qui était à l'origine de l'IGF. Merci beaucoup, Henriette, de m'avoir donné la parole. Je suis heureux de pouvoir être ici à nouveau.
J'aimerais me référer à l'histoire du sommet de la société d'information. Ces sommets étaient organisés en 2003-2005 à Genève et en Tunisie. Et on peut dire que... et tout ça pour, dans le contexte de l'organisation, c'était le début de l'IGF. En fait, nous, en tant que UNESCO, nous sommes toujours pour une bonne gestion du réseau. Mais souvenons-nous que c'est une gestion qui exige de protéger les droits de l'homme, qui doit reposer sur une approche ouverte et multilatérale. Nous considérons que nous devrions adopter une approche correct. Et c'est bon que 34 pays, il est bon que 34 pays ont décidé d'agir dans cet esprit et ils essayent de réaliser au maximum ce que nous avons décidé. C'est une question à laquelle je voudrais me référer. La deuxième chose, c'est que l'UNESCO, on peut le dire, était une des agences de l'ONU, des agences leaders qui faisait la promotion de la liberté de l'expression. Nous soulignons aussi le besoin d'assurer la sécurité des journalistes. Ainsi, nous faisons en sorte à ce que les actions criminelles soient poursuivies, celles qui étaient dirigées contre les journalistes. Évidemment, là, nous parlons de cyberespace, mais dans cet espace, nous devons protéger la liberté de la parole comme dans tous les autres aspects de notre vie. Donc, nous devons veiller à assurer la liberté de la parole, mais en même temps, nous devons combattre les phénomènes des phénomènes tels que le discours de haine et autres. Ça, c'est tous les côtés négatifs. On ne peut pas se permettre d'adopter une approche de laisser-faire. Nous ne voulons pas non plus surréguler. Il faut trouver un juste milieu pour assurer une bonne gestion du réseau. Il me reste 30 secondes. Unanimously adopted. The UNESCO 193 pays membres ont adopté les recommandations de l'ONU concernant les questions éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un document qui est vraiment un document charnière. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui fonctionne. Nous savons que ça rapporte des bénéfices, mais c'est un glaive qui a deux faces tranchantes. Donc c'est très bon, mais ça peut apporter véhiculer des dangers aussi. L'important est d'assurer des principes éthiques concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes de sécurisation. Et nous devons aussi concevoir les nouveaux centimes dans cet esprit. Je parle des systèmes d'intelligence artificielle. Peut-être plus tard, je développerai le sujet. J'espère que oui, que nous aurons l'occasion de revenir à ce sujet. Maintenant, je passe la parole au panel suivant. Avec grand plaisir, j'invite notre participant qui est avec nous en ligne, Mario Cimoli, qui est le secrétaire de la Commission de l'Amérique latine et de la région des Caraïbes. C'est une commission qui s'occupe des questions économiques et était très active pendant le sommet pour la société de l'information. Malheureusement, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si Mario est prêt à prendre la parole. J'ai peur qu'il ne soit pas avec nous, mais peut-être qu'il va nous rejoindre dans quelques instants. Entre-temps, je vais m'adresser à Maria Francesca. Maria Francesca Patolisano, vice-secrétaire générale de l'agence UNDESA. Maintenant, elle a aussi rempli les fonctions du chef du bureau de l'envoyé pour les technologies des Nations Unies auprès du secrétaire général. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et maintenant, je prends la parole en tant que personne qui gère le bureau de l'envoyé.
auprès du secrétaire général de l'ONU, notre bureau, notre agence s'occupe de la coordination des actions concernant la mise en œuvre de la feuille de route ou du programme du secrétaire général pour la coopération numérique. Ce document est un appel à tous pour créer un espace numérique qui va protéger les intérêts de tous les acteurs qui sont impliqués et qui créera un avenir plus ouvert et plus sûr pour tout le monde. Notre agence agit de manière ouverte. Nous avons une approche multilatérale. Nous misons sur la multilatéralité. Je n'ai pas à expliquer cela ici, puisque nous savons tous combien cette approche multilatérale est importante. Nous travaillons avec différents acteurs dans le cadre de l'ONU. Les représentants sont avec nous aujourd'hui pendant la discussion. Nous essayons avant tout de travailler le mieux possible et de servir aux pays en voie de développement. Nous essayons de faire en sorte que personne ne reste délaissé pour ce qui est de ces questions. Comment nous approchons le travail. Le programme pour la coopération numérique du secrétaire général de l'ONU est un programme qui souligne l'importance de créer un espace encore plus efficace, un espace numérique d'ici 2030. Dans le cadre de ce programme, on dit aussi qu'il faut assurer à tout le monde l'accès au monde numérique, car nous avons presque 3 milliards de gens dans le monde qui n'ont toujours pas un accès stable à Internet. Souvenons-nous qu'il n'y a que cette approche qui nous permettra d'assurer des progrès, mais ce qui exige des compétences que nous devons assurer, ceci concerne aussi les formations dans lesquelles nous impliquons d'ailleurs. Notre agence travaille aussi avec le bureau pour la coordination du développement dans le cadre de l'ONU, mais aussi l'UNICEF, l'UNDP, UNDP et d'autres acteurs. Nous avons même créé des équipes nationales qui fonctionnent au sein de différents pays pour aider les parties intéressées sur le terrain. Aujourd'hui et demain, nous participons au sommet IGF et pendant les discussions auxquelles nous participons, nous occupons des sujets qui concernent entre autres un réseau multilatéral pour bâtir le potentiel numérique. Donc c'est une initiative dans laquelle on implique une grande liste d'acteurs dont l'UNDP et l'ITU. C'est une initiative qui va se concentrer sur la construction d'un potentiel et d'assurer les formations à des acteurs qui veulent mener de telles initiatives. Nous coopérons de près aussi avec le bureau du représentant pour les pays les moins développés et les pays en cours de développement sans accès à la mer et des petits pays composés d'îles insulaires. Nous essayons de promouvoir les nouvelles technologies de manière à ce que ces pays aussi peuvent bénéficier d'un développement durable et des technologies numériques. Nous essayons d'assurer ces services aux habitants de ces pays. Le programme du secrétaire général exige de notre agence une coopération directe avec toutes les agences de l'ONU pour utiliser au mieux le potentiel des technologies numériques et pour faire face aux défis qui apparaissent. Par exemple, nous travaillons avec l'agence DESA et dans le cadre de cette coopération, nous essayons de mener un inventaire des initiatives numériques qui sont en cours pour mieux les coordonner. Nous travaillons aussi avec d'autres agences, par exemple avec l'agence qui s'occupe de l'intelligence artificielle,
l'espace cosmique aussi. Et dans le cadre de cette coopération, nous réalisons différents types d'actions. On peut multiplier ici des exemples de cette coopération. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler en détail, mais j'aimerais souligner encore une fois que notre bureau n'est peut-être pas très grand, mais il essaye de coopérer de près avec différents acteurs. Donc si quelqu'un était intéressé à coopérer avec nous, nous vous invitons à nous contacter. Nous sommes ouverts aux suggestions. Merci beaucoup. On vient de m'informer que M. Cimoli ne peut pas être avec nous. Il s'excuse. Je n'ai pas eu ses excuses à temps. Il n'est pas avec nous, malheureusement. Et encore une fois, il s'excuse. Maintenant, je passe la parole au vice-directeur exécutif du fonds ONU. Monsieur Petersen, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et je pense que j'aimerais me référer au fait comment la gestion d'Internet est liée avec notre travail, UNFPA. Nous souvenons que nous appartenons à la famille des agences de l'ONU. Nous nous occupons des questions de santé et de reproduction, dont nous travaillons avec les femmes, avec les filles. Et nous essayons de lutter contre la violence qui est dirigée contre les femmes et contre les filles. Et nous voyons que notre travail apporte des résultats intéressants. La semaine passée, nous avons démarré une nouvelle campagne dans les réseaux sociaux qui concerne justement les questions de la santé de reproduction reproductive. Et nous souvenons que il faut protéger les droits des femmes et des filles à protection de l'image de leur corps. Nous essayons de travailler dans cet esprit. Nous voulons aussi protéger les droits des femmes qui utilisent Internet. Et en vérité, 85% des femmes, les femmes disent qu'elles ont eu affaire avec des symptômes de violence envers d'autres femmes, et 38% de femmes ont personnellement eu affaire à de la violence sur Internet. 45% disent qu'elles ont été objet de discours de haine. Nous voyons donc que ces sujets sont très importants. Il faut agir contre la violence envers les femmes, qui va s'exprimer aussi dans l'espace virtuel. C'est un problème qui touche toutes les femmes et toutes les filles, donc nous devons essayer de les protéger dans l'espace Internet. Nous devons leur donner la parole, la voix. Donc les sociétés technologiques devraient aussi faire plus pour protéger les droits des femmes. Nous appelons les plateformes, les réseaux sociaux, et les autres acteurs à ce qu'ils assurent aux filles et aux femmes les mêmes droits et la même protection sur Internet sur lesquels peuvent compter hors espace numérique. Donc nous devons assurer les outils appropriés qui sont faciles à utiliser, qui sont accessibles pour assister ces utilisateurs ou les utilisatrices pour prévenir, pour mettre en place des mécanismes qui empêchent de placer des insultes sur Internet qui peuvent enfreindre les droits des femmes et d'autres utilisateurs dans l'espace numérique. Donc par notre campagne, nous essayons de faire appel à créer de nouvelles réglementations qui vont faire que la publication de commentaires négatifs ou insultants Internet par le biais des plateformes numériques ne soit pas possible.
Dans ce contexte, les experts issus de la société civile se doivent d'être engagés et de préparer les outils juridiques qui s'imposent. C'est ce que nous essayons maintenant de favoriser. Nous menons une campagne allant en ce sens. Nous voudrions améliorer la situation des femmes et des filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas commenter trop en détail ce que vous avez dit, mais dans le cadre de l'IGF, il y a beaucoup de choses que nous avons réussi à faire pour ce qui est de la lutte contre les diverses formes de violence dirigées contre les femmes sur Internet, en l'occurrence. Il faut se battre contre ce type de phénomène sur Internet, mais aussi utiliser Internet à bon escient. Monsieur Massoud va prendre la parole. Monsieur Massoud, qui dirige le Bureau des Nations Unies aux affaires de lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, la criminalité et la drogue. Merci beaucoup, Henriette. Je suis connecté. Je suis à Vienne. Il fait sombre ici, vous savez. Il fait déjà nuit à Vienne. Chers collègues, merci de me donner la possibilité de prendre la parole lors de ce colloque. Je voudrais remercier les organisateurs qui ont fait un admirable travail. Nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de participer à ce sommet, un format hybride, donc sommet qui a lieu à Katowice et en ligne, ce qui nous donne l'opportunité de parler de ce dont on s'occupe au jour le jour. Nos activités vont vers les ODD des Nations Unies. Notre stratégie de 5 ans est basée sur le plan du secrétaire général, un plan qui comprend une réforme concernant l'innovation en matière de traitement des données. Nous sommes obligés de faire face aux défis qui s'imposent à nous pour ce qui est de la La pandémie de COVID-19 nous a montré à quel point qu'il était possible de passer en ligne rapidement. C'est un grand potentiel, mais c'est aussi un véritable danger, puisqu'il y a le problème de la cybercriminalité, il y a les activités terroristes en ligne. Dans ce contexte, je voudrais parler de nos 5 sphères, les 5 sphères, les 5 sujets qui sont dans le programme des Nations Unies. En 2015, nous avons lancé une initiative concernant le suivi des preuves numériques, les preuves en ligne, c'est transfrontalier, c'est en coopération avec CITEL. Grâce à cette initiative, nous sommes en mesure de renforcer le rôle des partenariats privés-publics dans les États membres, mais aussi la coopération internationale sur Eurojust ou d'autres corps européens. Nous avons mis au point divers outils en ligne et de nouvelles ressources qui doivent nous aider à traiter électroniquement des preuves dont on se sert dans notre travail. Nous sommes aussi engagés sur un autre projet. C'est un travail, c'est une coopération avec les États membres pour renforcer les réponses, nos réactions à la criminalité en ligne. Et puis il y a la lutte contre la cybercriminalité. Ce programme a pour but de créer de nouvelles compétences, mais aussi des activités de prévention permettant de renforcer la coopération et de créer de nouveaux cadres juridiques. Il y a un autre programme sur lequel nous sommes engagés, à savoir
un programme visant à former les gens sur les crypto-monnaies et le blanchiment d'argent. Nous essayons de réduire les risques en la matière en coopérant avec des décideurs politiques et en permettant au public d'acquérir des connaissances sur les blockchains. L'année dernière, notre Assemblée générale a créé un comité ad hoc dont le but était de mettre au point une convention internationale sur la lutte contre l'utilisation des technologies ICT par les criminels et les terroristes. La première édition était en mai 2021. Dès après, le secrétaire général a déclaré son programme pour la coopération numérique. Je m'arrêterai ici. Merci beaucoup, Henriette. Merci, Henriette, et merci aux organisateurs. Hélas, le temps commence à nous faire défaut. Je ne voudrais pas mettre trop de pression sur vous, mais je vous serai reconnaissante de bien vouloir respecter le temps qui vous est imparti. Donc essayez d'être plus concis. Je voudrais maintenant demander à l'adjointe à la représentation polonaise à New York. Merci beaucoup. Merci Henriette. Merci à tous. Merci à nos collègues pour ce qui a été dit auparavant. Je voudrais ici parler des activités des Nations Unies pour ce qui est de l'espace numérique. Ça se passe sur deux niveaux. Premièrement, il y a le mandat en fait de nos organisations qui nous amène à un engagement au niveau des cadres juridiques et du fonctionnement de l'espace numérique. Mais sur le deuxième niveau, je mentionnerai les activités politiques. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot qui convient, mais le rôle des politiciens en tout cas. L'importance, il est de plus en plus important de commenter au niveau international les aspects numériques. Le programme de coopération numérique devient quelque chose d'absolument essentiel dans le contexte des réformes de l'organisation en elle-même. La connectivité mondiale devient de plus en plus essentielle, comme les nouvelles technologies. Et je pense que ça a été très bien résumé dans le rapport du secrétaire général intitulé « Notre programme commun, Common Agenda ». Ce programme comprend 12 engagements, avec entre autres une demande de renforcement de la coopération numérique, ainsi qu'une demande de création d'un milieu numérique inclusif. Pour ce qui est de mon pays, la Pologne, je veux dire que nous sommes aussi actifs. Nous travaillons à plus d'inclusion pour ce qui est des droits de l'homme, pour ce qui est de la lutte contre la désinformation, pour ce qui est de la favorisation, de la mise en avant de plus de compétences numériques. Alors bien sûr, ça demande de l'éducation, ça demande de la communication. Et je pense que ça, c'est notre engagement commun. En fait, il faut être plus actif encore pour ce qui est de la communication et de l'éducation, parce que c'est là que les défis les plus essentiels se profilent. Et maintenant, pour parler un petit peu des plans concrètement. Ces derniers mois, nous avons pu observer l'efficacité avec laquelle les Nations Unies se préparaient à une nouvelle réalité. Lors de la pandémie de Covid-19, la majorité d'entre nous a dû quitter les bureaux, les salles de conférence, pour s'adonner aux joies du télétravail. Moi, je crois que la diplomatie numérique, franchement, ne remplacera pas la diplomatie à l'ancienne. Je n'y crois pas, parce que le contact humain, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Se voir en personne, c'est irremplaçable, ça n'a pas de prix. Mais la technique nous a permis au moins de continuer à travailler, de continuer à gagner notre pain, parce que travailler c'est ça, mais c'est aussi de continuer à rendre service, parce que travailler c'est ça aussi.
Donc, c'est malheureusement, parce que sans ça, en fait, sans ça, seuls ceux qui sont en mesure de se rendre à New York ou à Nairobi auraient pu continuer à travailler. Donc, la pandémie a amélioré un peu l'inclusivité, puisqu'on s'est adapté. Pour s'adapter à la pandémie, on a amélioré des outils qui permettent à des gens de travailler plus facilement qu'avant. C'est l'aspect positif de la pandémie, si je puis m'exprimer ainsi. Elle nous a rendus plus forts. Et puis, vous savez, l'Organisation des Nations Unies est la seule organisation mondiale qui permette d'agir ensemble pour qui permette de se confronter à ce type d'enjeu. Et l'ONU donne le meilleur exemple. L'ONU est une plateforme d'échange de bonnes pratiques et d'expériences, et en même temps, je travaille avec les États membres pour ce qui est de la mise en application des politiques. Merci, merci à vous et merci au gouvernement polonais. Monsieur Massimo Torero, représentant de la FAO, économiste principal à la FAO. J'espère que vous nous montrerez Rome. C'est une belle ville, Rome. J'adore Rome. Oui, merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir être ici avec vous, d'une certaine manière. Vous savez, les applications, les outils numériques, c'est quelque chose qui apporte des bénéfices absolument sans précédent pour l'homme et pour l'environnement. Ça nous permet de poursuivre les ODD plus efficacement. Au niveau de la FAO aussi, on le remarque. Souvenons-nous que ça n'est pas la panacée non plus. Donc il y a quand même des problèmes complexes à régler. Pour ce qui est de la déclaration du Vatican sur l'éthique en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, nous, on s'occupe des six règles les plus importantes, à savoir la transparence, l'inclusivité, la responsabilité, la neutralité, la crédibilité, la sécurité. Pour nous, ce sont vraiment les règles les plus importantes, ce sont elles qui nous guident. Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que, en ce qui concerne l'agriculture et l'agroalimentaire, il nous faut placer des efforts grandissants dans la réduction des inégalités pour ce qui est de l'accès aux services Internet et surtout pour la large bande passante. C'est complètement absent dans certains endroits du monde. Donc il faut travailler, œuvrer à plus d'inclusivité, à plus d'égalité entre les sexes et entre les âges. Pour que les jeunes ne soient pas discriminés, ni les jeunes, ni les vieux, ni les hommes, ni les femmes. Donc, ça demande une coopération internationale qui nous permettra d'agir vraiment avec précision. Dans le cadre de la FAO, comme je l'ai dit, on se concentre principalement sur les six règles principales, les six valeurs principales que j'ai citées. Nous mettons en application des solutions dans le domaine de l'agroalimentaire, mais pas seulement. Ça va plus loin que cela. Grâce à des liens internationaux, nous efforçons de promouvoir, de mettre en avant une approche véritablement du champ à la table. Du champ à la table, c'est toute la chaîne d'approvisionnement de l'agroalimentaire, si vous voulez. Et c'est pour une nourriture saine et des agriculteurs prospères. Nous voulons le bien des consommateurs, tant des consommateurs que des agriculteurs. Nous avons des priorités. Nous voulons plus d'intégration des solutions numériques en coopération avec les États membres. Nous essayons de tirer profit des progrès technologiques en matière d'ICT. Et puis, nous essayons de faire en sorte que les données soient mieux traitées, notamment pour ce qui est de l'élevage d'animaux, mais aussi de l'agriculture.
céréales, gestion des eaux, protection de l'environnement. Nous prenons en considération divers facteurs socio-économiques, d'ailleurs, dans le cadre de nos activités. Je sais que nous devons assurer l'accès à l'eau aussi. On a parfois des ressources qui sont amoindries. Et pour pouvoir bien gérer les dangers liés au changement climatique, il est très important, bien sûr, de renforcer nos possibilités pour ce qui est de la numérisation. Nous plaçons beaucoup d'efforts dans la préparation d'outils nous servant à pronostiquer, à prévoir, à identifier les obstacles, les dangers. C'est une plateforme globale qui nous permet d'agir le plus tôt possible. C'est important pour nous parce que le monde dans lequel nous vivons est caractérisé par le changement. La seule constante est le changement, en fait. Et on a une température qui augmente au niveau du monde entier. Hein. C'est le changement climatique. Et ça implique des défis que nous devons relever. En ce qui concerne les services numériques sur lesquels nous travaillons, avant tout, nous préparons des services numériques pour le secteur de l'agriculture. Et nous appelons ça e-agriculture. Mais nous préparons aussi la plateforme que l'on peut appeler e-village, e-village en anglais, qui essaye de donner aux agriculteurs un meilleur accès aux services numériques. C'est des services dédiés à eux. Nous essayons d'agir pour obtenir les objectifs de développement durable de l'ONU. Maintenant, nous passons au suivant, Monsieur Robin Guys. Merci de m'avoir invité, heureux d'être avec vous. Dans notre unité, nous agissons comme une agence indépendante de l'ONU et comme un think tank. Et dans le cadre de celui-ci, de cette activité, nous assurons de nouvelles approches et des concepts innovants concernant la réduction de l'arsenal des armes et plus concrètement de différents aspects liés à la sécurité internationale. Souvenons-nous que nous vivons dans une période où nous avons affaire à une érosion de la confiance. Nous voyons un nombre croissant de cyberattaques, donc les questions relatives à la sécurité deviennent très importantes, surtout que ces attaques deviennent de plus en plus raffinées. Nous avons affaire à de nouveaux types d'armes numériques, mais nous avons une lutte aux armements numériques. Donc notre programme de cybersécurité est un programme qui a pour objectif suivre le pas des changements qui ont lieu dans l'espace numérique. Et là, j'aimerais souligner trois principes de base qui sont les plus intéressants, trois directions de notre activité. Avant tout, il s'agissait d'utiliser l'intelligence artificielle, concrètement dans le processus de prise de décision dans la dimension militaire. Un autre aspect est la prise de décision au sujet de la sécurité. Et la question de nouvelles technologies ou de tendances qui apparaissent et qui vont décider de ce que sera notre avenir. Donc, c'est là-dessus que nous concentrons. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous étudions ici des effets de synergie pour ce qui est de l'utilisation de différentes technologies modernes, dont les nouveaux types de facteurs et de progrès dans les domaines tels que la robotique et d'autres aspects d'ailleurs. Et je vais vous montrer quelques exemples de ce que nous faisons ici dans l'espace numérique. Nous menons des études qui ont pour objectif de bâtir un potentiel. C'est évidemment quelque chose de... Le sujet en soi est difficile dans cet écosystème dans lequel nous fonctionnons et qui en... changement continu, en évolution continue. Nous avons un portail spécial qui concerne les nouvelles politiques en matière de cybersécurité. Grâce à celui-ci, nous pouvons améliorer la transparence
car grâce à ce portail, nous pouvons voir ce qui se passe dans ce domaine dans le monde. Et grâce aussi, grâce à ces solutions, nous bâtissons un meilleur potentiel et plus de confiance, car sur ce portail, nous pouvons prendre connaissance des types d'actions qui sont entreprises dans le cyberespace. Deuxièmement, dans notre organisation, dans notre unité, nous coopérons avec des parties prenantes différenciées pour assurer un dialogue multipartite. Nous donnons la voix à beaucoup de parties intéressées, dont des acteurs du secteur privé, pour apprendre mutuellement les uns des autres. Donc nous avons une activité d'études, de recherche, nous analysons des tendances et nous préparons aussi des rapports qui concernent justement ce qui se passe en la matière, ce qui se passe en ce qui concerne la sécurité des chaînes de l'approvisionnement, la coopération internationale, de quoi comment elle marche cette coopération en cas d'incident ou d'une attaque sur une infrastructure critique. Aspect suivant, c'est la coordination et la coopération publique-privée. En ce qui concerne notre activité, nous impliquons dans des processus intergouvernementaux qui sont réalisés dans le cadre de l'ONU. Nous participons à la création de standards et de normes et nous participons aux travaux du groupe de travail qui a commencé son activité il y a quelques années. Et dans le cadre de ce groupe, nous allons discuter des sujets importants liés à la cybersécurité, mais aussi à l'activité des médias. Merci beaucoup pour cette voix. La cybersécurité, c'est très important. Kate McBride, qui est la panéliste suivante, qui est directrice du bureau pour les questions de la politique de communication de l'ONU. Je suis très heureuse de pouvoir être avec vous ici et parler de comment nous contribuons aux évolutions numériques, comment nous créons des partenaires stratégiques grâce auxquels on peut exploiter les informations pour résoudre des problèmes importants tels la crise climatique. Cette année, nous avons démarré une nouvelle plateforme numérique grâce à laquelle nous pouvons améliorer l'accessibilité aux informations. Grâce à cette plateforme aussi, nous avons donné la possibilité aux utilisateurs, les usagers d'Internet, de participer virtuellement à la COP26 qui a eu lieu à Glasgow. Grâce à cette plateforme, nous avons réussi à améliorer le nombre de participants de cet événement de 30 000 à 50 000 personnes. Donc 50 000 personnes ont pu participer à cet événement. 20 000 participants, c'était des participants qui ont participé de manière complètement virtuelle. Cette nouvelle plateforme est le fruit de nos travaux et aussi des expériences que nous avons collectées dans le temps et que nous avons mis en œuvre en pratique pendant la COP26 à Glasgow. Nous avons maintenant affaire à des défis différents liés à la pandémie du coronavirus, problèmes qui ont ralenti un peu notre lutte contre les changements climatiques qui ont lieu maintenant. Nous devons toutefois souligner que nous avons toujours et encore besoin d'une implication forte des différents acteurs. Après la COP26, nous allons continuer à développer notre plateforme pour renforcer la transparence du processus de lutte contre les changements climatiques et pour donner la possibilité à chacun de participer, à porter une contribution à ces actions liées au changement climatique. Deuxièmement, il faut souligner notre implication dans les questions de transformation et de protection de données. Nous créons notre plateforme
grâce à laquelle nous pouvons transmettre des informations sur les changements qui ont lieu dans ce domaine sur l'arène internationale. Nous sommes aussi impliqués dans l'éducation au sujet des changements climatiques et l'éducation au sujet de l'utilisation dans ce but de nouvelles technologies. Nous avons créé des partenaires avec 30 organisations sous la tutelle de l'ONU. Et dans le cadre de cette coopération, nous organisons des formations au sujet des changements climatiques. Nous proposons et nous assurons toutes sortes de supports dont chacun peut bénéficier. Et pour terminer, j'aimerais encore souligner que nous travaillons, nous coopérons avec différentes initiatives dans le cadre desquelles nous essayons de répondre aux problèmes qui naissent grâce aux changements sociaux causés par la pandémie et par les nouvelles technologies. Nous essayons de faire de notre mieux pour reconstruire ou pour en faire forcer la résilience envers des processus aussi importants que le changement climatique. Nous devons donc prendre en compte donc tous les facteurs importants et agir pour le bien des habitants de notre planète, aussi bien pour eux que pour la Terre elle-même. Donc, à cet effet, nous utilisons des systèmes automatiques, les blockchains, les big data, l'intelligence artificielle et autres types de technologies pour obtenir les changements nécessaires. Souvenons-nous que tous ces processus exigent la coopération de différents acteurs. 2022, c'est une année qui débute une nouvelle ère. Dans le contexte des changements climatiques, nous devons tous nous impliquer pour utiliser les technologies numériques pour disséminer l'information au sujet de ces problèmes si importants. Souvenons-nous que nous devrions mettre en place des actions qui nous permettront de renforcer notre résilience envers les devant les changements climatiques et nous permettront d'entreprendre les bonnes actions. Merci beaucoup. Je sais que nous sommes arrivés à la fin de notre session. Mais on va quand même prendre un peu de temps. Nous vous demandons d'être patient parce qu'on a un panéliste, M. Mark Williams, qui représente la Banque mondiale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de pouvoir représenter la Banque mondiale à ce sommet. La Banque est une organisation qui s'occupe des choses telles que le développement social, mais aussi économique, en particulier dans les pays en voie de développement. Et ici, dans cette dimension, nous assurons des solutions de types différents et le soutien technique aussi pour les pays en voie de développement. Le développement des technologies numériques constitue une partie intégrante de notre activité dans chaque pays où nous sommes présents. Si nous regardons notre histoire, nous remarquerons que depuis 30 ans, nous nous intéressons à ces questions. Moi, dans les 10 dernières années, nous concentrons beaucoup plus sur les technologies numériques et leur exploitation dans tous les projets dont nous nous occupons. Les questions des technologies numériques sont maintenant objet d'analyse de notre banque mondiale et nous analysons une liste de projets qui possèdent cette composante numérique. Évidemment, ceci exige des essais, des préparatifs très étendus et nous voulons souligner que les technologies numériques ont une influence sur tous les aspects de l'économie, tous ces secteurs. Souvenons-nous que nous avons besoin de réglementation dans ce domaine, la protection des données, la communication numérique et d'autres aspects. Un autre élément important de l'activité, la modernisation de l'accès aux services publics. Nous avons donc une activité de
d'études, de recherches, nous faisons des analyses, mais nous assurons aussi un soutien financier pour les pays en voie de développement. Quand il en vient à question des technologies numériques, nous assurons le soutien pour le développement d'Internet à bande large. Nous essayons aussi d'assurer cet Internet à bande large dans les pays en voie de développement à des prix concurrentiels pour qu'il soit accessible à tout le monde. Nous essayons de renforcer les pays dans leur tendance, dans leur volonté de protéger les données. Nous essayons aussi d'aider les différents pays pour effectuer des investissements suffisants dans les technologies numériques. Notre approche change de plus en plus. Nous agissons de manière de plus en plus développée, mais nous tenons à ce que notre développement, celle que nous aidons, soit le plus inclusif possible. Ce qui nous permet de créer une forme pour nos projets. Nous espérons que dans le futur, les technologies numériques permettront de résoudre des problèmes tels que les changements climatiques. Et dans ce domaine, ici, nous essayons de soutenir les pays avec qui nous travaillons. Donc nous coopérons aussi bien avec les gouvernements qu'avec les autres institutions des différents pays pour les renforcer et pour assurer et pour former un environnement numérique sûr et digne de confiance. Tout ça, c'est très important en ce qui concerne la coopération des organisations comme l'Union internationale des télécoms, l'UTU, ITU, n'est-ce pas? Nous allons continuer à travailler comme ça. Les technologies numériques, nous le savons très bien, sont un élément de plus en plus important dans nos projets. Nous concentrons de plus en plus sur la cybersécurité, sur la protection des données, et nous essayons de souligner l'inclusion numérique dans tous les aspects de notre activité. De manière à ce que tous puissent jouir du développement de la technique. Eh bien, je crois que nous n'avons plus de temps du tout. C'est dommage car j'aurais aimé proposer de poser des questions, mais je pense que nous sommes conscients de l'importance du problème et de l'utilisation qui est faite des techniques numériques par l'ONU et par différentes agences de l'ONU. Je pense qu'à l'avenir, ces techniques seront de plus en plus utilisées. Il me semble donc que tous les programmes de l'ONU, toutes les agences de l'ONU devraient coopérer. Et c'est ce qu'il faut. Nous devons constituer une communauté multilatérale. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que l'activité des différentes agences de l'ONU se recouvre, se chevauche sur beaucoup d'aspects. Chaque organisation, bien sûr, a sa spécialisation qui lui est propre, mais sur beaucoup d'aspects, on se rend compte tout de même qu'il y a des chevauchements. Et je me rends compte aussi que l'IGF s'inscrit parfaitement dans cette activité commune. Je pense que, d'ailleurs, dans vos discours, c'est quelque chose qui a été sensible, tous ces éléments dont on parle ici lors de ce sommet. La confiance, la sécurité, le changement climatique, les cadres juridiques qui doivent apparaître, la coopération en ligne. Je suis convaincu que ce sommet numérique apportera sa pierre à l'édifice que doit être la construction de compétences sur ces aspects particulièrement importants. Je n'aurai plus le temps d'ajouter quoi que ce soit. On me fait signe que je n'ai pas le temps. Non, d'accord. Non, ça n'est pas possible. Nous devons nous en tenir là. Merci à tous, donc merci d'avoir bien voulu participer physiquement ou en ligne à ce colloque. Pardon pour le retard accusé. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons travailler dans le même esprit et que nous serons peut-être à 100% en présentiel. Merci.